Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment maquiller les sourcils pour les paupières tombantes. On va vraiment maquiller le haut du sourcil. Donc si on regarde la forme qu'on va donner, on prend la racine, la base et puis le sommet du sourcil. On va le maquiller, puis redescendre gentiment. Le but, c'est vraiment pas d'y aller trop bas dans notre maquillage. Parce que plus on va descendre avec le maquillage, plus la paupière aura également tendance à descendre également. Donc, on prend une couleur qui ressemble à notre couleur naturelle. Et puis, avec notre fard, on va donc tracer un trait assez doux, hein. Le but, c'est quand même d'avoir un peu de douceur dans notre maquillage. On ne va pas y aller trop franchement. Et puis, on suit notre ligne, toujours en maquillant plutôt depuis le haut, hein. Tout doucement. C'est mieux d'y aller petit à petit. C'est toujours plus facile d'ajouter que d'enlever de la matière. Pour faire remonter le regard. Donc toute cette partie-là, je ne l'ai pas vraiment colorée, hein, puisqu'elle est en bas de ma ligne de sourcils. Je n'ai pas envie de faire descendre le regard, donc je vais la laisser simplement sans maquillage. Ensuite, pour bien mettre en évidence le regard, on va ensuite souligner notre sourcil avec un fard plutôt clair. Donc on va prendre soit du blanc, soit du beige, soit du rose pâle. Ce serait mieux de prendre une couleur plutôt mate. Et puis là, on va simplement souligner le dessin qu'on vient de tracer. On peut passer un peu par-dessus les sourcils qu'on n'avait pas maquillés. Avec le fard plus clair. Maintenant, vous avez toutes les astuces pour maquiller vos sourcils en cas de paupières tombantes. Et puis je vous dis à très bientôt pour le maquillage des paupières elles-mêmes.